C'est parti. Je Ça vais va passer être. l'aspirateur, je reviens. Je vais me faire un barbecue, je reviens. Ah. Putain. Franchement, là, je suis perplexe de ce qu'on fait là. On est où? What? Oh non, on est au bâtiment de la marquée. On est à l'autre bout de la map, gros. Il dort, hein. Je sais pas du tout où on va. Enfin, si, je sais où est-ce qu'on va, mais. J'ai envie de faire tout le tour de la map en fait. Je sais qu'en face de nous, il y a des spawns. On va faire le grand tour. Ça arrange pas les trucs, on a pas de quotient de drip. Non, non, ouais, là, mais je suis pas là pour voter là. En gros, on va faire le même chemin qu'on fait quand on escave. Bunker à peu près. Ah, tu vois le bâtiment où est-ce qu'on monte sur le toit pour faire le toit à chaque fois? Ouais. C'est dans les souterrains de ce bâtiment. Enfin, c'est un des bâtiments qui permet d'y accéder en fait. Parce que il y a 3 ou 4 bâtiments qui permettent d'accéder en dessous au souterrain. En dessous, c'est un putain de labyrinthe en fait. Et je T'as t'avouerai eu la que. balle traçante? Quoi? Il y a une balle traçante qui est passée dans le ciel. J'ai pas fait gaffe. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a pris une tête, hein, qui a tiré dans les airs sans faire exprès. Un délire comme ça. Oh, je le sens pas, je le sens pas. Allez, go. Oh, je passe solo dans les bus, ils sont bien les couilles. Donc tu vois, au lieu de monter dans le bâtiment, on va descendre directement au sous-sol. Si on peut. J'ai l'impression qu'il y a du bruit là-dessus. Ça tombe bien qu'on n'a pas de sac, on a bouche d'égout en extrait. Ah ouais? Voilà, on sait par où on va sortir. Tiens, c'est pas là. Ok, donc déjà invalidé. Donc là, c'est quoi le dessin? Ah, c'est que j'ai peur qu'il y ait du monde. Ok, là, c'est pion blanc. Alors, attends, attends, je m'attends là-bas. Pion blanc, donc là, on est là. Il faudrait aller à droite. Donc là, il y a l'escalier. Ok. Descend à l'extract.
là c'est validé. Faut que je redescende. Alors attends. Prendre de l'élan pour passer. Ok, c'est validé, faut que je fasse demi-tour. Mais il y a gauche. Là, je te dis clairement, c'est hyper dangereux ce qu'on fait. S'il y a des mecs dans la salle centrale, ils nous entendent marcher dans l'eau. Toutes les portes. Elles sont tout le temps ouvertes ici. Ok, donc là, sur noir, tac, c'est validé. Là, faut qu'on continue. Attends. Ok, là maintenant faut aller sur la centrale. Attends, pion blanc. Pour ça, pion blanc. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Mais... là il y a l'escalier de merde et là il y a la salle centrale. La salle centrale c'est ici là. Ici il faut que t'ailles. Là j'ai ouvert. C'est ça. Ça va aider? Ouais. Vas-y, on se casse. Je vais allumer le courant. Attends, on est là. Ah, c'est quoi notre gauche? J'ai pas entendu si c'était au-dessus. Ah, viens, viens, viens. Derrière, derrière. Arrête pas, t'arrêtes pas. Où, là? Je suis en bas de l'escalier, j'ai la ligne. Oh putain. Vas-y, viens, viens. Ça va rusher, ça va rusher. C'est un joueur. Donc là on est remonté, attends attends attends, faut que je cherche la carte. Je suis perdu là dedans gros. Pion noir. Au pire on ressort et on... Tu bouges les goûts? Ouais. Vas-y. Je sais pas du tout où je nous emmène. Hein. Dans un cul-de-sac. Ouais, je vois ça. Alors attends, je vérifie que ma quête est validée. Ouais, c'est ça, faut que je quitte la zone. Ok. Je vais sortir à droite. Ça court sur notre gauche. Vas-y, bah sors, sors à droite, sors à droite. Je t'attends à droite. Viens là. Oh, mais y'a un mort là.
Vas-y, j'ai gagné un sac, on a qu'à. Pas de sac, bougez-vous. Ah bon? Ok. Je dégoûte, c'est par là-bas, viens. T'es parti par où là? Je reviens en arrière. Derrière. Oh! C'est quoi à gauche? C'est un joueur. Il a pris un sale coup de pompe. Je laisse couvrir vite fait, je vais prendre son stuff. Marche au-dessus. J'ai un casque audio, vas-y viens, on se tient. Un sac. Je dégoûte sac, ça va pas être possible. T'inquiète. Arrête-toi, des sondes. Dieter's cave, porte hermétique, D2. Tiens. Dieter's cave, c'est en face de moi, je crois. Viens. Ah putain, faut être compté dans ce cas. Vas-y, viens dans le bâtiment. On va se mettre à l'abri 2 minutes, faut que je regarde sur le net pour les extracts. Et on va se mettre à l'étage. Oh bah il avait déjà buté un joueur. Tout ce qu'il avait en fait, je regarde un peu. Ok. Bon, vas-y, c'est sorti. Je te fais confiance au Sound, hein. Je suis en train de check sur Google. Map base militaire, tac. Tac à 74, pour tous. Hop. Bon, à la PS par contre. Est-ce qu'on a porte hermétique du dépôt? Je te dis ça tout de suite. Non, on a porte bunker hermétique. Sinon, bouge des bouts et des deux. Bouge des bouts et des deux, t'as dit? Ok. T'as quoi comme gilet tactique sur toi? J'ai un Blackrock. Tiens, bah prends ça, je le jette. Est-ce que t'as une deuxième arme sur toi? Oui. C'est une arme que tu viens de ramasser? C'est une arme que je viens de ramasser, oui. Et tu vas à la tège. Et je vais t'enfiler une. On va aller bouge des goûts, je vais jeter le sac. Je vais te filer Naka et je vais te. Naka modé en fait. Tiens, prends ça.
Je t'ai au cœur. Derrière toi. C'est bon, t'es prêt? On va foncer d'où je les bouge du coup. En fait, notre but c'est de ouvrir la porte. Ah, non, on peut pas l'ouvrir cette porte. Ah bon, ok. On va passer par là, on va tracer tout droit. Et on va aller direct à la bouche d'égout. Attends. Merde. Voilà. Il est là avec la M4. Je suis en mode super dans mes bingos. Faut aller à gauche, hein. Faut pas rester ici. On a de la chance qu'il n'y ait pas les raiders. Du coup, c'est bourré de scav ici. J'allais en tuer un. Un scav, je pense. Ouais, trop lourd. Ouais, GG. C'est vrai que cet extrait qui devrait la faire un petit peu plus courte du danger qu'elle est là. Oh, laisse tomber, gros. Y'a aucune cover. Bon, bah, GG. J'ai tué Bob Leclerc. Ce nom, quoi. Il avait 18. Chaque coup, il est à Carrefour. Ouais, bien vu. Ah putain. Et le fusil à pompe, il a cartonné. Hein? Après, il va s'appeler Bob Super U, quoi. Bob Super U. Ah, excellent, quoi. Ah, le fusil à pompe, il marche nickel, hein. Je lui ai mis une balle de slug dans la tronche, enfin, dans le corps même. J'ai même pas visé la tronche. Il est tombé direct. À mon avis, il devait être en train de se fight parce que vu le nombre de cadavres qu'il y avait dans le couloir. Hein. Je suis sûr on aurait même pu se faire le deuxième joueur qui était dans le bâtiment. Enfin bref. Fallait valider les 4 quoi, pas trop. Pas trop chercher.